Ghezal qui s'élance. La tête. Goal! L'égalisation au second poteau. Et cette fois, c'est validé. Oh, le stade va être en poteau. Superbe. Oh là, les belles images. Et voilà. L'Algérie va aller en Coupe du Monde. Il reste une minute à peine sur un corner. Et ça va passer pour l'Algérie. Ça va passer. C'est pas volé. Faut être honnête. Faut être fair play. Le Cameroun a été dominé tout le long. Et inférieur ce soir. L'Algérie est pour l'instant qualifiée en Coupe du Monde. Tirage au sort qu'on fera en direct sur la chaîne vendredi. Allez, c'est reparti. C'est bon, c'est fait là, il reste une minute. Me dites pas qu'ils vont égaliser, c'est fait. Il y a tout un stade, tout un peuple derrière eux. Ils vont tenir, ils vont tenir. Ils n'ont pas le droit de se faire égaliser, ils n'ont pas le droit. Il y aura un peu de temps additionnel. Hein. Oui, Nadira, j'y pense. Combien de temps il va donner dans les arrêts de jeu? Oh putain, 4 minutes d'arrêt de jeu. 4 minutes en prolongation. C'est très très rare de voir ça. En fait, je sais même pas combien de temps il reste en fait. Je peux pas vous dire. Longue touche pour les Lions. C'est joué à deux. Attention, attention, remise de la tête, c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Égalisation camerounaise. Non, pardon. Oh putain. Eh mais je vais supprimer le live. Hein. C'est pas possible. Le public, c'est chaud, hein. C'est chaud dans les tribunes, hein. C'est très chaud. Là, je peux vous dire, je suis, c'est très chaud. C'est pas vrai. Là, c'est pire que du football, là. Allez, ça y est, il a sifflé. Il a sifflé. Le Cameroun va en Coupe du Monde. Il a même pas laissé 30 secondes supplémentaires, là. Putain. C'est terminé, il n'y aura pas de pénalty.